オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour à tous, c'est Chantal, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? Minasan konnichiwa. Ensemble en français, Furansu Goko Shino, Chantal des. Ogenki deska? Je pense qu'après les vacances d'été, vous étiez tous, petits et grands, en pleine forme pour la rentrée. Natsu yasumi ga owatte, lonyaku nani o towazu, minasan, genki ippai ni shingaki o mukaerarete iru to omoimasu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des toits de France et en particulier de Paris. Si vous avez déjà visité quelques régions en France, vous avez sans doute remarqué que chaque région affichait ses traditions et habitudes de construction. Kyowa minasan ni furansu toriwake Paris no yane ni tsuite hanashitai to omoimasu. Sudeni France no ikutsuka no chihou wo homon shita koto ga areba, kitto sorezore no chihou dokuji no kenchiku no dentou ya shukan ga aru koto ni kigatsuita to omoimasu. Ainsi, à la beauté des paysages français s'ajoutent le charme et les couleurs des toitures. Pour ne donner que deux exemples, dans le sud ensoleillé, la tuile orangée colore le paysage. Elle est prisée, étant résistante au soleil, tandis que dans les régions du nord pluvieuses, l'ardoise noire, elle, donne un cachet historique. Elle est très appréciée pour sa solidité contre l'humidité et sa durée de vie. Descala, France no keshiki no utsukushisa ni yane no miryoku ya iro wo tsukekuaeru koto mo dekimasu. Futatsu no rei wo ageru to, hizashi no tsuyoi nanfutsu de wa orange iro no yane gawara ga keshiki wo irodorimasu. Orange iro no kawara wa nikko ni tsuyoi koto de hyouka sarete imasu. Sono ippo, France hokubu no ame ga oi chiiki de wa kuroi sureto ga lekishi teki na tokuchou wo ataete imasu. Sureto wa shikke ni tsuyoi koto to nagamochi suru koto de chouhou sarete imasu. Qu'en est-il à Paris? Paris de wa dou deshou ka? On y trouve des toitures en zinc ou en ardoise, en cuivre oxydé pour les monuments importants et en tuile brune pour les édifices du Moyen Âge. Paris no yane de wa omoni aen ka suleto. Juyo na rekishi teki kenzo butsu de wa sankado, soshite chuusei no tatemono de wa aka kachoku no kawara ga mochiirarete imasu. Mais plus de 70% des toits parisiens sont recouverts de zinc. Ils font partie du patrimoine symbolique de la capitale. Shikashi, Paris no yane no 70% ijo ni wa aen ga tsukawarete ite, sore wa shuto Paris no shouchouteki na issan no ichibu wo nashite iru no desu. Mais pourquoi avoir choisi ce type de toiture? Demo doshite kono taipu no yane ga erabarete iru no deshou ka? Nous devons ces toits en zinc au baron Haussmann. Kono aen no yane wa Haussmann danshaku no okage nano desu. Nous sommes en 1853, alors commencent de grands travaux qui transforment Paris. En effet, Napoléon III
impressionné par les quartiers modernes de Londres, désigne le baron Haussmann avec pour mission d'embellir Paris. Tokiwa 1853 nen, Pari no sugata wo kaeru daikoji ga hajimarimashita. London no kindai teki na machinami ni kanmei uketa Napoleon 3世 wa Pari wo utsukushiku suru mission ni Haussmann danshaku wo nimme shita no desu. Ce dernier fait construire les immeubles haussmanniens et choisit la couverture en zinc peu chère, pratique, simple d'entretien, facile à manier par les couvreurs zingueurs et symbole du développement industriel. De plus, sa légèreté permet d'alléger la charpente et d'ajouter un espace habitable sous les toits. Ses appartements mansardés, aussi appelés chambres de bonne, servent à loger les domestiques engagés par la famille. Haussmann Danshaku wa Haussmann Biru wo kensetsu sase, sono yane no zaeryo to shite, anka de, jitsuyo teki de, maintenance ga shiyasuku, aen shokunin ga atsukai yasuku, sangyo hatten no shōchō tomo ieru aen wo eranda no desu. Sarani, sono karusa wa yane no kōzō wo karuku shite yane no shita ni kyōjū kūkan wo umidasu koto wo kanon ni shimashita. Kore ra no yane urabea wa chambre de bonne maid bea to yobare kazoku ni yatowareta shionin ga sumu hea toshite tsukawaremashita. Depuis, ils inspirent les peintres impressionnistes, en particulier les écrivains, les cinéastes les plus célèbres et sont même dans les chansons. Sore ilai, aen no yane wa toriwake inshoha no gakka ya sakka, yumei na ega sakka nado ni inspiration wo ataete, uta no naka ni mo dete kimasu. Et le saviez-vous? 170 ans plus tard, plus précisément en mars dernier, les couvreurs ont renouvelé le dossier de candidature du savoir-faire des couvreurs zingueurs et ornemanistes au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. それから170年後、今年3月、屋根職人たちは屋根と亜鉛職人と装飾職人の技術をユネスコの無形文化遺産に登録するための広報の書類を更新したということをご存知ですか? Ils espèrent que cette fois-ci,leur savoir-faire sera reconnu. Cette reconnaissance offrirait l'opportunité de recruter des couvreurs qualifiés pour restaurer les toits de Paris, d'éveiller l'intérêt des jeunes pour ce métier, de promouvoir la profession et de lui donner du prestige dans le monde entier. Shokunin tachi wa kondo koso彼らの技術が認められることを期待しています。これが認定されれば、パリの屋根を修復する有資格の屋根職人を集め、若い世代の人たちに屋根職人兵の興味を喚起し、パリの屋根を修復することで、この業界全体が活性化し、世界に名声を届ける機会となることでしょう。Selon le magazine Le Moniteur des Artisans, je cite, il manquerait plus de 500 couvreurs sur les chantiers des toits de Paris et des milliers dans toute la France. Alors, si l'inscription au patrimoine culturel devient réalité,
n'hésitez pas à le crier sur les toits. Zashi shokunin no monita ni yoruto, Paris de wa 500 nin no yane shokunin ga France zentai de wa 1000 nin no yane shokunin ga tarite inai toyukoto desu. Moshi mukei bunka isan ni toroku sareta bae wa yane no ue de sakebimashou. Sate, honjitsu no arakafeto wa nibu kosei de otodoke shimasu. Dai ichibu wa watakushi Chantal ga otodoke suru Fransu go lesson desu. Kaiwa de sugu ni tsukaeru mijikaku kantan de oboe yasui Fransu go no hyogen wo goshoukai shimasu. Soshite dai nibu wa kaiko 1 shounen wo mukaeta online Fransu go group lesson nitsuite goshoukai shimasu. Et maintenant, commençons la leçon. Dewa lesson wo hajime masho. Intéressons-nous aujourd'hui à l'expression crier quelque chose sur tous les toits. Kyo wa crier quelque chose sur tous les toits, subete no yane no ue de nani nani wo sakebu toyu hyogen wo toriage masho. Cette expression voudrait-elle dire parler fort sur la totalité des toits? Kono hyogen wa subete no yane no ue de hōgoe de nanika o iu toyu imi nano deshou ka? Laissez-moi tout d'abord vous expliquer son origine. Autrefois, en Orient, le toit des maisons était plat, comme une terrasse, et les gens avaient l'habitude d'appeler leurs voisins, de discuter du haut de leur terrasse et de parler fort, d'où l'expression « crier sur les toits » est née au XVIe siècle. Mazu, kono hyogen no yurai wo setsume shimasu ne. Sono mukashi, toyo de wa, ie no yane wa, roof balkoni no you ni taira de, hitobito wa sono ue kara gokinjo-san wo yondari, ōgoe de hanashitari shiteta node, 16 seki ni crier sur tous les toits toyu hyogen ga tanjo shimashita. Aujourd'hui, on l'emploie quand quelqu'un répand ou divulgue une nouvelle, un secret ou une rumeur. Konnichi de wa dareka ga niusu ya himitsu uwasa wo hirometa-ri, morashita-ri suru toki ni tsukawaremasu. Voici quelques exemples. Ikutsu ka reibun wo shoukai shimashou. La mère de mon ami était si comblée de joie d'apprendre la naissance de son premier petit-fils qu'elle l'a crié sur tous les toits. La mère de mon ami était si comblée de joie d'apprendre la naissance de son premier petit-fils qu'elle l'a crié sur tous les toits. La mère de mon ami était si comblée de joie d'apprendre la naissance de son premier petit-fils qu'elle l'a crié sur tous les toits. Watashi no tomodachi no okasan wa hatsumago no tanjou wo shitte o yorokobi de achikochi ni ii hirometa. Dans cet exemple, la mère de mon ami était si contente qu'elle s'est empressée de répandre la nouvelle. Kono leibun de wa, watashi no tomodachi no okasan wa, totemo ureshikute, o isogi de, sono shirase wo hirometa toyu imi de tsukawarete imasu. Mais cette expression peut aussi sous-entendre que quelqu'un ne peut pas garder de secret, répète tout ce qu'on lui dit aux autres et est donc une personne peu fiable. Shikashi, kono hyogen ni wa himitsu wo mamoru koto ga dekizu ni tanin ni
言われたことをすべて言いふらす信頼できない人という意味も含まれています。Voici un exemple. 例えば、Ne confie rien à Paul. Il le criera sur tous les toits. Ne confie rien à Paul. Il le criera sur tous les toits.Ne confie rien à Paul. Il le criera sur tous les toits. Paul niwa nanimo uchiake chadameo. Kalewa ifula sukarane. Dernier exemple. Saigono leibun. J'ai gagné à la loterie, mais ne le crie pas sur tous les toits. Je voudrais être la première à le dire à papa.J'ai gagné à la loterie, mais ne le crie pas sur tous les toits. Je voudrais être la première à le dire à papa. J'ai gagné à la loterie, mais ne le crie pas sur tous les toits. Je voudrais être la première à le dire à papa. Takalakujiga atattan dakedo, dare ni mo iwanaide, otosan ni saisho ni tsutaetai da yo ne.Dans cette phrase, la fille veut faire la surprise à son père. De plus, elle ne souhaite pas que son père apprenne la nouvelle par quelqu'un d'autre. この文章では、娘はお父さんを驚かせたいということがわかります。さらに、彼女はお父さんが他の誰かから娘が宝くじに当たったということを聞いてほしくありません。Ou encore, または、Papa, j'ai gagné à la loterie, mais ne le crie pas sur tous les toits. Papa, j'ai gagné à la loterie, mais ne le crie pas sur tous les toits. Papa, j'ai gagné à la loterie.Mais ne le crie pas sur tous les toits. Oto-san, takarakuji atattan dakedo, dare ni mo iwanaide ne. Dans cet exemple, on peut imaginer que la fille veuille garder le secret par mesure de sécurité. Kono leibun de wa, security jo no ryu de, musume wa takarakuji ni atatta koto wo,秘密にしておきたいということがわかります。Vous comprenez? Selon le contexte, vous pouvez donc ajouter une nuance particulière à la phrase. いかがでしたか?文脈によって文章にある特定のニュアンスを加えることができますね。Voilà, maintenant,À votre tour d'essayer d'utiliser cette expression quand vous parlez. さあ、今度は皆さんがこの表現を使って話す番ですよ。いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひ Ensemble en français のホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。À bientôt。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。本日はアンサンブルがスカイプのマンツーマンレッスンの他に提供しているオンラインフランス語グループレッスンに関する耳寄りな情報を皆さんにお知らせします。本グループレッスンは2022年9月1日の開校から1年を迎えましたが開校1周年を記念して、
フランス語初心者の生徒様を対象にした新しいクラスを9月11日から3ヶ月期間限定で開講いたします。その名も超基礎フランス語レッスンです。担当講師はアンサンブルのベテラン日本人講師で、これまでに何百人もの入門者を教えた経験がある綾子先生です。スカイプのマンツーマンレッスンは非常に予約が取りにくい講師ですので、そんな綾子先生によるグループレッスンを3ヶ月平日毎日日本時間の朝9時に受講できるなんて贅沢な企画ですよね。こちらのグループレッスンでは、フランス語文法の基礎を入門者の方でも理解しやすいようにフランス語と日本語を交えて解説します。綾子先生の丁寧な言葉選び、適切なアドバイス、そして朗らかな口調、それから輝くスマイルで、初心者が楽しく安心して受講できるのはもちろん、中級以上の生徒様にも文法理解の確認として、また目から鱗な新発見として役立つ内容であることは間違いありません。9月11日の月曜日から3ヶ月限定で開講される綾子先生の超基礎フランス語レッスン、ご興味がある方はぜひアンサンブルのオンラインフランス語グループレッスンのホームページよりお申し込みをお待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。